Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Poképark. Aujourd'hui nous allons chercher Wistikram, on l'a trouvé finalement. Ah oui, à côté de Tropius, l'Exorcimus. Très à côté de Tropius. Salut. Il veut le combat. Mais la dernière fois qu'on jouait en fait on l'avait vu à côté de Tropius. Oh non, il est énervé encore là. Wistikram. Je vais devenir plus fort, j'ai bien besoin de te défier. Pas ton nom, Tuel. Oui. Allez, super, viens. Oh bah dis donc, il est malade, Wistikram. Ah, il est méchant, Wistikram, t'as pas regardé l'animé, il est méchant. Oh là 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 là, il fait des boules de feu par terre. Incroyable. Moi je fais ma technique ultime. Oh, le son est tellement fort dans les oreilles. Attendez, je baisse ça là. Oh, il avait la protection. Et voilà, trépassé le Wistikram. Il avait que 2 HP. Mais non ! T'es vachement fort. Paraît qu'il y a plein de Pokémon forts comme toi dans la zone ardente, j'aimerais bien y aller. Si on se trouve là-bas, on se battra à nouveau. Ok, si tu réussis à me battre, je te présenterai mon grand frère. J'ai cru qu'il allait dire si tu réussis à me battre, j'évoluerai. Non, désolé, il peut pas. Bon, bah, on dirait qu'on a fini. Oui, tu vas pouvoir aller voir Florizarre. Florizarre, parle-moi de ton mini-jeu. Bon, c'était après le pont, je crois. Ouais, c'était vers là où il y a Kradoko. Crado. Oui, je vois. Ah ouais, il faudrait qu'on revienne ici une fois qu'on aura 20 amis. Mais c'est vrai, Philali veut pas être notre ami parce qu'on n'a pas 20 amis. Oh là là, Eevee and Friends, c'est ça. Ah, Eevee and Friends, bah Eevee and no friends plutôt. Non mais moi il me faut des... Moi il me faut des gens quand ah même. Ah mince, j'ai inversé oui et non. Il me faut des... à cause de la manette. Non, moi je faisais des tests. Allez, va affronter Florizarre sur son terrain de guerre. Tu l'affrontes comme ça, là, hop. Allez, Florizarre, go. Ah, et en plus, tu montes même sur son terrain, quoi. Ouah, tu as battu Kradopo, et puis Alphabet. Tant pis, ma parole est en jeu. Je suis Berger Mignon, mais tu as bien compris, ne fais plus jamais la réaction. Aucun sens. Tout le monde aime les attractions. Non, pas moi. Et en plus, cette interdiction de quitter la zone est de trop. Tout le monde a le droit de s'amuser librement. Oh, quelle impudence. C'est la raison pour laquelle j'interdis de jouer aux attractions. Ou aller dans les autres zones, c'est parce que c'est dangereux. Vous n'avez qu'à respecter les règles de la zone végétale et tout ira bien pour vous. J'y abandonne. Pikachu, il faudrait prouver à Florizarre que chacun peut s'amuser à finir autant d'attractions qu'il lui plaît. Oh, tu veux te mesurer à mon attraction? Que c'est amusant. Si tu réussis le saut en liane, changerait les lois de la zone. Non, bah ça va, c'est pas si facile, hein, franchement. Tous ceux qui pourront s'amuser aux autres attractions pourront, et je pourrais aller dans la place Union. Veux-tu tenter ta chance contre 5B? Commençons donc le saut en liane. Secoue la liane pour un saut en longueur! Et bat ton record. Comment jouer? La télécommande Wii doit être secouée verticalement, comme sur le dessin. Si tu secoues en t'accordant sur les mouvements de la liane, tu la pousses d'élan. Quand tu as assez d'élan, saute et appuie sur B au bon moment. Saute avant que le temps reste en arrive à zéro. Je sais, il va battre le record. Capitaine, je peux faire un jeu Wistikram. Ah oui, mais du coup, tu peux jouer avec autre chose. Hein. Oh. Non, tu veux jouer avec quelqu'un d'autre? Bien ma foi, je vois que c'est Kradopo le plus fort. Ah, j'hésite, tout le monde a l'air bien. Je veux Brazegali. Ah bah oui, bah... Brazegali, mais d'ailleurs, que... Florizarre, il peut même pas jouer à son mini-jeu, mais c'est incroyable, ça. Eh oui, je sais pas si on est RP et on joue Pikachu parce que c'est Pikachu, ou si on joue Arco ou Wistikram. Bah, on change de perso. De toute façon, on verra tout le temps Pikachu. Oui, c'est ça, le truc. Et on va prendre Kradopo. Est-ce qu'on reprend Pikachu ou sinon Arco ou... Je l'ai cité. Kradopo. Je l'ai cité. Regardez-le. Regardez-le. Ah bah oui, mais là. 3, 2, 1, c'est parti. Je me donne des coups de dragon dans la tête. Oh là là. Ah, j'ai battu mon record là. Ouais, effectivement. Ça n'a pas l'air terrible, mais pourtant. même Florizarre. Hein. Florizarre, très l'énervement, dis donc. Hein. Il est super content. Super, c'est même le bonus. J'ai récupéré mes baies payées. Nouveau record. Et je me suis vraiment mis un coup de dragon dans l'œil en fait.
Je vais c'est un jeu violent, Pikachu Eyou, qui s'appelle pas Eyou. Florizarre, t'as rien fait, Pikachu. Il est super heureux, Florizarre. Hein. Vu comment non, il était sur sa position. Mais au moins j'ai eu 5 B. Je ne peux pas content pour toi. Je tiendrai ma promesse. Tu peux participer aux attractions et je vais ouvrir le portail. Mais enfin, Florizarre! De quoi avez-vous peur? Les habitants de la zone végétale ne sont pas aussi faibles que vous l'imaginez! Avez-vous vu la joie sur le visage de Pikachu pendant qu'il jouait à votre attraction? Vous souriez, vous aussi! Ouais, c'est ma visage naturel! Je souris naturellement! Je suis sûr que vous l'avez ressenti, vous aussi! Arrêtez! Décidément, tu n'as aucune éducation, Germignonne, mais tu as raison. Vous n'avez pas peur de l'attraction et vous vous amusez sous sans crainte. J'ai confiance en votre courage, je tiens ma promesse, je promets qu'on ouvre le portail et qu'on participe aux attractions. Faites Pikachu, reçoit ceci pour te féliciter d'avoir aussi son lien. Voilà, morceau de la Master des Bois de Bretner. Bon, écoute-moi, Pikachu, je vais fermer le portail de la place Union pour deux raisons. Le maître de la zone balnéaire, de la zone glaciaire, Pingoléon, et le maître de la zone enfouie, de la zone ardente, Brasgali, je suis disputé avec eux à propos des règles du Poképark. J'ai fermé le portail pour protéger la zone Delta. Mais maintenant, j'aimerais revenir avec. Ah, bah oui, du coup. Bon, ouais, c'est bon. On jouera à Fouéliane avec ensemble, ça serait rigolo. J'aimerais que t'ailles trouver dans leur zone en passant par la place Union que tu dises à Pingoléon, Brasgali, ceci. Je vous aime pas, les gars, vous êtes trop moches. Bravo, Pikachu, c'est une mission très importante. Ton aventure ne fait que commencer. Bon, maintenant, je me demande à quoi ressemble cette place Union. C'est à gauche en sortant d'ici, c'est bien ça? Je vais explorer, hein. Non, t'as pas à te dépêcher, toi aussi. Profite d'être dans la zone végétale pour te faire des amis. Tu sauvegardes la protection? Oui. Sauvegardons. Bravo. Oh, c'est comme ça maintenant que ça se passe entre nous. Eh ouais. Parce que là, on a... 15 amis. On en a que 15. Il nous en manque 5. Eh, j'ai fait tout ça pour toi et c'est comme ça que tu me remercies. Non, mais j'ai pas fait exprès, monsieur Crado. Il dit tout le temps ça. Torterra, il est nouveau, lui. Il est où, Torterra, là? Tu es celui qui a pris son courage à deux mains et convaincu Florizarre de rendre sa liberté à la vision vitale, non? Ce serait bien s'il pouvait faire la paix. Tu veux faire un duel? Oh oui! Très bien, approche. Ton tonnerre ne marche pas contre moi. Souviens-toi, certains Pokémon sont insensibles à l'électricité. Oh, il a plein de HP. Attention, Mystère, tu vas te prendre un coup. C'est clair. Maintenant! Ça va, ça lui fait mal une attaque charge quand même. Mais Mystère, il pleure, je crois. Ah oui, non! Oh, il fait un séisme! Ah, c'est dur. Tu es trop lent, Torterra. Allez, mais tourne-toi, Pikachu aussi. C'est dur, hein. Ah ouais, Pikachu, il réagit pas très bien. Quoi. Allez, maintenant. Voilà. Oui, bravo. On l'a très beaucoup battu, hein, Torterra. Ah, c'était beau. Il est beaucoup battu, dis donc. Hein. Alors, attends, c'était un beau combat, je t'aime bien. Tu as besoin de moi, appelle-moi la prochaine. Super. Peut-être qu'on a 5 amis ici, finalement. Je suis désolé, je voulais pas frapper vous. Eh, hey, monsieur Misterbe, qui est où? Il est parti pleurer. Il dispute avec un cap humain. Ah oui. Salut, les gars. C'est incroyable, tout le verre de cette zone végétale m'indique qu'il existe quelque part dans ce Poképark une zone couverte de flammes. Mais du coup, l'autre, il est parti. Hein. Il y en a une très rare qui pleurait là-bas. Tu sais quoi, moi, j'aime bien jouer à cache-cache. Oh, c'est dur. Si vous voyez Mister Petite Ciboulette. Eh, Féro-Singe, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te fais écraser par Torterra. Il a dit les fleurs roses. Il y a plein de fleurs roses. Ah, il doit être à droite. Elle est où la ciboulette là? Oh là là, où est la ciboulette? Terre. Mais non, mais je fais. Oh les déplacements. Il est à gauche maintenant. Il est là! Ciboulette! Voilà, j'allais dire! Oh là là! Vous jouez pas le jeu, c'est pas bien. Bravo. Je suis contente que tu m'aies trouvé. Et toi? Mais toi? Parfois, on a autant d'amis que gagné qu'on affronte un ami. La plupart des Pokémon s'entraînent après être devenus tes amis pour être plus fort. Parfois, on essaie de défier tes amis, tu pourras avoir des surprises. Eh, ça te dirait faire la course. Cap humain! Allez, suis-moi, je vais faire devenir le professionnel. C'était pour te... C'était déconcertant, c'était déconcertant. Alors, j'étais auto-guidé vers le mob. J'ai pas fait ça, pour de vrai. Enfin, c'est pas grave, ça gagne, c'est l'essentiel.
Eh mais féro-singe, il s'incruste partout. Mais moi je voudrais jouer aussi. Tous les caps humains sont tes amis. Super. On est T'as dit ami avec un U. Oh. Tous les caps humains sont des filles. Oui, c'est bien ce que j'ai vu, il a mis un U. Parfois on a autant plus d'envie qu'on affronte un ami et puis pas s'entraîner après être devenus des amis. Pourquoi on essaie de défier tes amis hein. Non. Quoi, pourtant il fait tellement beau, mais c'est pas on grave. On va voir Capidex. Oh non, il va être énervé, c'est ça là. Come on, step it up. Mais non, regarde, c'était super beau comme mouvement, t'as vu ça ? Ah ouais, bien joué ! J'aimerais bien participer à l'attraction de Florizarre, mais je vais te dire comment gagner. En fait, si tu sautes un peu après que la liane soit au plus bas, tu peux améliorer ton score. J'ai hâte d'essayer. Faisons un duel ! Super ! Alors allons-y. On n'a pas de touche de défense, d'ailleurs. Non, mais tu peux sauter. Esquiver. Oh, mais trop nul, cap humain, capidextre même. Oh, il jette des cailloux. Mais c'est inadmissible, ça, on fait pas ça. Allez, la technique suprême, voilà, le combo. Ah, super, t'as bien réussi le combo, là. On fait attention. Je sais même pas comment on faisait des esquives, là. Ah, il est mort. Faut appuyer sur le D-pad. C'est juste appuyer sur le D-pad. Oui. Ah, c'est pour ça que j'arrivais pas à faire les trucs, en fait. Oui. Soyons tes amis. Super. Non, t'as pas dit soyons tes amis. T'as pas dit soyons tes amis. Mais on est amis maintenant. Bon, il me manque un personnage. Là, je suis sûr qu'on peut devenir amis. Mais non, Mystère. Oh purée, en plus il s'est pris le bois après. Oh, ça doit faire super mal. C'est Cateur. Bon, et que Notor, il veut pas devenir notre ami. Genre, que Notor, il a peur là, il est en mode ah là là. Du bois non, ou j'en sais rien. Non, j'ai méchant les gens. Il est où? Oui, mais maintenant tout le monde est gentil derrière. Il est où? Frimeur. Il est vers le pont. Ah, il est là-bas. Mais il est derrière l'arbre, je pense. Voilà, Frimeur. Kenotor, tu veux devenir notre ami? Oh, pour sûr, tu tombes bien. J'aimerais inviter ma soeur et mes cousines et mon ami. C'est que des filles hein, dans ce jeu. Il y a nulle part où les loger. Si j'avais assez de bois, je leur ferais une chambre. Mais il m'en manque un tout petit peu. Et sois gentil, aide-moi. Tu veux que tu casses des caisses? Moi, je rassemblerai tout le bois que je trouverai de mon côté. D'accord, merci d'avance. Ouais. Tropius, on dirait qu'il a 10 carapuces. Ça m'a surpris. Bon, on va prendre ça. On va devoir leur ramener 20 millions, j'imagine. Si. Ah mais oui, mais là, je peux construire une maison que pour moi. Après, pour une cousine, pour une tante, pour la grand-mère, pour la tante, encore une merci. Fois, parce que j'en ai deux. Tu m'as apporté du bois. Je vais pouvoir finir une chambre. Voilà, une chambre. Ah, super chambre. J'adore cette chambre. C'est ma chambre préférée. Ah non, mais il avait pas encore c'était construit. C'était pas fait encore, on est mauvaise langue. Et voilà. Ah, quelle chambre. Ah, je suis impressionné, là. Et oui, tout ça avec mes petites dents. J'aimerais encore agrandir la maison grâce à toi. Ma soeur a pu venir, mais j'aimerais aussi inviter ma cousine et mon ami. Trouve-moi du bois. Ah oui, parce qu'il y a une amie aussi. Moi, je comprends pas courir plus vite avec mais ça. Oui, je suis d'accord. On peut pas, on peut pas. C'est pour rendre le jeu plus difficile. C'est pour augmenter la durée de vie artificiellement. C'est vraiment très gentil, tu m'aides beaucoup. Ouais, je sais. Oh, mais regardez, il y a sa sœur. Bah oui, sa sœur est là. Maintenant, il y a sa cousine. Après, il y aura sa tante, sa grand-mère, sa professeure. Bon, pas peu Kono, s'il vous plaît. Hein. Oh, Kono. Grâce à toi, ma cousine a pu venir. On peut vraiment avoir confiance en toi. Allez, une dernière chose. J'aimerais grandir la maison pour mon ami. Je te fais confiance, hein. Trouve-moi du bois. Attends, le bois repop. Eh oui. Mais c'est quoi cette quête annexe qui sert à rien? Comment ça qui sert à rien? À la fin, tu auras un ami. Et mais, après, tu pourras devenir ami. Je sais pas. Tu m'as vraiment bien aidé et eux. Et la plupart des Pokémon sont femelles dans ce jeu, c'est tout. Eh oui. Non mais on a instauré des différences entre femelles et mâles dans la 4G, alors on va mettre partout. Si vous le dites. Je suis désolée de toujours te demander de l'aide, mais j'ai encore besoin de bois. Mon ami a pu venir s'amuser et s'est remonté aux oreilles de ma mamie. Elle va venir. Allez, s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu de bois une dernière fois. Ah, bois pas repop cette fois. Et celui-là, il a repop. En fait, je pense qu'il avait pas repop, c'était juste un nouveau bout de bois que t'avais pas vu avant. Eh, il y a une caisse là, à gauche. Non, pas sur Tropius. Pauvre Tropius, il ne voudra plus partager des bananes avec toi maintenant. Pas grave. Gras les bananes, on n'en mange pas. Tu as vraiment été incroyable. Comme ça, ma mamie va pouvoir venir. Merci.
Et voilà la super maison. Bon, par contre, vous êtes des quenotors, mais c'est quoi les quenotors qu'ils ont dehors là? C'est les mêmes, c'est pas les mêmes? C'est la cousine à mamie, la tante, la sœur, l'arrière-petite-fille, oui. Tout le monde adore cette zone! C'est vraiment grâce à toi qu'elles ont pu venir. Tiens, prends ces bêtes, tu les as méritées. Si tu as besoin. Quoi, ah bah c'est bon, on est devenu amis que nos torts, c'est bon, on va devoir venir. Oh, Castorno, il vient détruire la baraque! Oh là là, il est où lui aussi? Il faut pas faire confiance à la zone qui était autour parce que. Oh, ils sont en train de se disputer eux. Mais non, ils sont contents, qu'est-ce que tu racontes? Et la pauvre, on est toujours pas amis avec elle, on est d'accord? Mais vous avez totalement raison. Ouf, Germignon est revenu! En plus, beaucoup de Pokémon sont apparus et on peut aussi faire l'attraction autant qu'on veut. Voilà, le Poképark tel que je m'en souvenais! Et au fait, on fait la course? Alors attrape-moi! Snake, bouge et attrape-moi! Snake! Bouge et attrape-moi! Bouge et attrape-moi! Allez, viens là! Voilà, personne n'arrête les pieds de Pikachu. Super! Elle a l'air triste quand même. Tu m'as envoyé voler! T'es vraiment très fort! Soyons amis! Hé, on s'est bien amusé! Et si on fait plein de bruit, qui sait? On attirera peut-être d'autres Pokémon! Ah, j'allais oublier! Voilà, bébé! Ah, Gouinfrex, il a entendu! Ah, Ninupio! Oh, Lixi veut s'amuser! En même temps, on le voit souvent dans les arrière-plans des mini-jeux. Oh là là. Après, t'es pas obligé de tous les recruter maintenant, on pourra le faire une autre fois. Non, fais tout maintenant, c'est bon, mais le truc, c'est vous le trouvez. C'est ça qui est dur. Ninupio! Oh là là! Ninupio! Ninupio, il court vite, dis donc! Ninupio! Depuis quand un Ninupio, ça court vite? Regardez-le! Ouais, je ne penserai pas dans Philadelphie. Tout le monde a un sourire éclatant. Faisons la course! Alors commençons, je pars devant. Ah. C'est parti! Attention, Philadelphie va à fond! Ah bah c'est clair! Il va falloir trouver une méthode pour la rattraper. Mais Pikachu, t'es trop lent! Il va falloir. Ah, je croyais que. Oh! Désolé, hein, mais. Oh non! Mais cours trop vite! Je peux même pas utiliser la technique secrète inventée par les Link des langues sauvages. Il faut qu'elles se retournent et qu'elles foncent sur toi, tu vois. Ah, ils sont là, Link. Oh oui! Oh oui! Oh non! Allez, allez, t'y es presque, t'y es presque! Non! Ah! Allez, on va couper à travers champs, telle la course-poursuite, digne des plus grandes séries policières, là! Oh, elle fait quoi? Mais non, elle triche! Mais va-t'en! Oh, mais pourquoi lui, je peux shooter dedans maintenant? Oh, on a perdu. Énervé. Je suis la plus rapide. Oh, mais c'est clair, Philalie, t'es même pas aussi. C'est moi le vainqueur. Viens me voir si tu t'améliores. Allez, regardez, je m'étire un peu là. Très important. En tout cas, c'était le meilleur moyen de trouver tous les Pokémon qui étaient apparus. Ah bah c'est clair, Philalie, elle fait un coup du renard. Mais non, mais tout à l'heure, t'avais pas fait ça. Je voulais faire le coup du renard, là. Ah bah, Castorno, il est là aussi. Ok, allez. Allez, à un moment donné, elle va faire une erreur et elle va se retourner sur toi. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, mais non, mais moi, je connais pas la carte bien aussi. Je pensais qu'on n'était pas là. Oh là, elle retourne dans sa base, peut-être qu'elle va se retourner brutalement. Oh là, c'est pas mal là. Oh là, c'est pas mal là. Oh là, c'est pas mal. Ah, ici, c'est pas mal là. Oh oui, c'est pas mal là. Non, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Oui, non. Mais pourquoi? Mais va-t'en. Zoro. Je savais qu'il allait tout gêner, un sécateur. C'était obligé qu'un sécateur, il allait ruiner le fun. Il fait tout le temps ça, un sécateur. Ouais, non. Non, ce que elle je vais... Elle s'arrête jamais. Non, jamais. Ah si, elle s'arrête. On va essayer. Coup du renard. Le coup du renard. Mais non, le coup du renard. Oui. Le coup du renard. Un tonnerre est choqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as attrapé. J'aime bien faire la course contre toi, il faudra le refaire. En fait, tu vois, ça doit être un des seuls Pokémon mâles du parc. Hein, parce oui, bah Philalie. Mais tu sais que les Evoli, ils n'ont pas le droit d'être de femelles en réalité. Ah, voilà, Ninupio. Oh, je me suis bien arrêté, t'as vu ça? Et tu connais la zone hantée? C'est dans une forêt sinistre. Et c'est pas un Pokémon horrible qui nous attend pour nous. Ah!
ils attendent pour nous. J'aime pas lui, je sais pas, j'ai peur. Mais si jamais je m'y perdais, ah. Fais attention. Et au fait, on fait un duel. Un duel. Alors commençons. Pourquoi un duel? Ninupio. Oh Ninupio. Oh Ninupio, il a pas perdu beaucoup de points de vie. Ninupio. Oh. Attends, il m'a rien fait comme dégâts. Oh. Ok, Pikachu s'en va. Tu as détruit une famille de Ninupio. Ah oui. Quelle classe, mon ami. Faisons un autre duel, là, je ne perdrai pas. Ouais, je sais pas, en tout cas. Hein. Et voilà, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné des doubles duels, là. Deux fois d'affilée. Alors, Castorno et Lixi, qu'est-ce on que... On va aller recruter Castorno et Lixi, après on arrêtera la vidéo, j'imagine. Oh, c'est ce que j'ai entendu. Il y a très longtemps. Les Pokémon du Poképark se disputèrent et ne se parlèrent plus. Mais un Pokémon jaune, avec des poches rouges sur les joues, apparut pour restaurer l'harmonie et réconcilia tout le monde. Et tu cherches un duel. Lui, il vient du futur. Allez, commençons. Je suis féroce. Je viens du futur, je naîtrai dans 2 ans et demi. Ne le dis pas aux autres. Ah, il fallait pas s'arrêter. Pour un Pokémon d'eau, il craint pas beaucoup l'électricité. Ah. Bien joué. Bah dis donc que la musique, elle était bien joyeuse. J'avoue. Ah, c'est toi qui as aidé mes petites à construire leur maison, c'est bien ça. Tu es non seulement gentil, mais en plus costaud. Très bien, tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Si c'est la maman... La maman de la mamie. La mamie, elle a jamais évolué, est-ce que c'est triste? C'est la maman de la mamie, je raconte. Bon, Lixie était dans le coin, il me semble. Oui, là, à droite, derrière toi. Ouais, mais attends. À gauche. Mais c'est dur de se tourner. Lixie! Il est tout petit. On a entendu parler du Poképark, alors on est tous venus. J'ai entendu dire que dans chaque attraction, il retenait le meilleur score de chaque Pokémon. Et ça s'appelle son record. Et au fait, on fait la course. Allez, c'est parti, la course contre Lixi. Très bien, allons-y. Qui conclura là. Oh, j'espère que t'es moi. Bon, c'est Lixi, c'est bon. C'est un Lixi, il va pas être si rapide que ça. Oh, franchement, vous aurez dû être RP et le faire courir 2 pixels par 2 pixels toutes les 5 secondes. C'est trop méchant ce que tu dis. C'est vrai. Oui, je sais. Ah, j'ai perdu, quel dommage. T'es vraiment fort, soyons amis. Appelle-moi pour le secours sprint, je suis plutôt rapide. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, on en a deux. Après avoir combattu Philali, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bah rien. Mais je l'ai vu, il était bugué, il tournait. Écoute, c'est pas grave, il est trop mignon, ça donne envie de lui faire un câlin. Ah, bref. Bon. On va s'arrêter là pour cet épisode parce que cet épisode aura été long et riche en émotions, notamment en amitié de course après Fidali. Mais... Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde.